Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série Curious Expedition 2, toujours avec notre naturaliste et son petit cheptel. Alors, on se retrouve donc à Paris pour démarrer la deuxième année en mode directeur. On a pris un malus, hein, du coup, conditions imprévisibles. Et on va maintenant attaquer la deuxième mission. De mémoire, j'avais tout fait. Alors non, il me restait des tickets encore. Il me restait des tickets, donc du coup, j'avais dit que je soignerais son addiction. Mais je crois que je l'ai fait, hein, ça. Oui, ça y est, ça c'est fait, ok. Donc il me reste 16 tickets. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller faire avec 16 tickets? Alors lui, je crois qu'on était déjà allé le voir. Il avait une super selle, mais c'était un peu la merde. J'avais acheté un objet qui me servirait à rien. Par contre, je pouvais prendre... Ouais, alors caisse lourde, c'est cool, mais le coût des déplacements plus cher, c'est dommage. L'ancien théâtre... Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'ancien théâtre? Expérimentation... Ça nous procure de la renommée, mais c'est équipé dans la main, donc c'est embêtant. C'est trop bien, ça n'empêche. Ça fait des dégâts en plus. Bonus dé de vigueur. Statut du combat. Ouais, ça c'est pour nous. Pour les bêtes, c'est ça ou ça, ok. Ah, ça pourrait être pas mal hein, pour une autre bête de somme. On a en bête de somme, on a l'autre cheval en fait. Et on va tester, on va lui mettre la scie circulaire à notre deuxième cheval. Ok. Coup de déplacement dans la jungle, moins 2, dégâts d'attaque, plus 7. Ok, bon, bah, espérons qu'on aura de la jungle du coup. Allez, on va choisir une expédition. Et ce sera l'archipel. Une carte gravée dans la pierre, il faut déchiffrer la carte. Bonus terra incognita. Ok, on est parti. Allez, c'est parti. La soirée était calme à taverne, toute l'équipe passe un bon moment. Après quelques tournées, un matelot s'est approché de nous. L'homme m'a demandé si je pouvais me passer de l'un de mes camarades pendant quelques jours. Un navire avait coulé et les marins du quai avaient grandement besoin d'aide. Malheureusement, notre expédition serait quelque peu retardée. Non, c'est mort. Nous devons partir pour une expédition importante, nous pouvons permettre qu'elle soit retardée. En approchant du site de l'expédition, ce petit navire d'avitaillement a tiré de bord à côté de mon embarcation. Je me demandais ce que mon mécène avait en réserve pour moi. Donc effectivement, il y a bien trois objets hein, que je peux acheter. Alors, je pense que je vais acheter ces deux-là. Je vais pas acheter le casque, je vais prendre le risque. On va prendre de la citronnade. On va prendre les barres de céréales, une torche et un whisky. Parfait. Je pense que c'est pas mal puisqu'on a déjà ça de base. C'est vrai qu'on a des sabres. On avait chopé deux sabres, ouais. Ça va nous servir pour faire du troc. Malheureusement, on peut pas le faire avec lui. On va se prendre de l'eau au cas où. Et on va débuter l'expédition. Les légendes parlent d'un immense trésor sous ces îles, mais il y avait un seul problème, personne ne savait où il se trouvait. Luxlab avait heureusement trouvé un indice, une île sur laquelle les autochtones parlaient de vieux cercles de pierre qui, d'après les rumeurs, permettraient de trouver ce fameux trésor. Ok, donc faut trouver les cercles de pierre. Donc comme d'hab, les autochtones, voilà. Ça va pas être le kiff. Tiens, c'est quoi ça? Sanctuaire enlisé. Je connais pas. Bon, tu vas aller voir les autochtones. Ah ouais, mais carrément quoi. Cheval robot quoi. Demander de la nourriture. On va demander de la nourriture. Ils nous ont offert du poisson. Ok. De toute façon, on n'est jamais vraiment potes avec eux. Ok, on va s'approcher du sanctuaire enlisé, on va voir comment il fonctionne, je ne connais pas du tout.
Frontier s'est devant moi et ses marches en ruine s'enroulaient autour de l'ancienne tour. Une odeur nauséabonde flottait dans l'air, elle provenait certainement des fumerolles au loin. Ouais. L'ascension était complexe, mais j'ai réussi à atteindre le sommet de la tour. À l'intérieur, il y a. Ok, toujours pareil. Parfait. On a évité les pièges. On a poussé une pierre suspecte qui a fait remonter un sarcophage doré. Une momie et des pierres précieuses. Et ben on va tout prendre. On va aller dans la salle de l'hôtel. On va examiner. Ah, il y a des perles et une massue à pointe. Ben on va tout prendre. Comme des crevards. Et par contre, on va se taper le nuage toxique. Alors... On va aller par là pour commencer. Non, pas de nuage toxique. Ok. Bon bah pas de nuage toxique. Ok, donc là il y a un ferry. Qui permet de se déplacer plus rapidement ailleurs. Ok. On va aller voir ce qui se passe par là maintenant. On va passer par les papillons normalement. Voilà. Ah non, même pas. Ok, il y a une mission ici. Ah d'accord, la croix en bois c'est un... Bon, on doit pouvoir creuser la tombe si on a une pelle, je pense. Bon, on peut aller voir, hein, mais... tiens, toi, là, tant que t'es là. Des escargots. Ah oui, ok. On va manger les poissons. Et on va aller voir. Ah bah non, c'est pas la croix, c'est qu'il y a le cercle en fait. Le point d'interrogation était... Ouais, j'ai mal calculé. Ok, donc on va étudier les pierres. Après avoir plané une feuille de papier que j'avais apportée à cette fin, j'ai minutieusement recopié les bas-reliefs des pierres. Ma carte compensée à prendre forme. Ok, voilà pour un. On peut dormir à la mission. On peut dormir à la mission. Pas gratos, mais on peut le faire. On peut envoyer des objets à Paris. C'est vrai qu'on peut faire ça. Autant en profiter. Ça. Ça. Et ça. Voilà. Comme ça, c'est fait. Après, qu'est-ce qu'on peut troquer avec lui? Ouais, comme d'hab. Alors, avec lui, le whisky, ça coûte toujours beaucoup plus cher. Ça c'est pas mal aussi, l'escalade, ouais, les torches, ouais, éventuellement les trucs d'escalade, on peut lui échanger contre, ça coûte 2, donc je suis à 4, ouais, donc contre n'importe quoi en fait. Genre contre un escargot quoi. Ouais, paye ton deal quoi. Je te file un escargot, tu me files 2 piolets, ok. Ouais, par contre, pour dormir, c'est bien ce qui me semblait, ça coûte cher avec lui. Hein. Ouais, bon là forcément moins déjà, mais bon, ça m'intéresse pas trop de faire ça. Je préfère les revendre qui ont des choses intéressantes. Ouais, ça c'est pareil, non. Ouais, enfin, tous ces objets-là, de toute façon, il est carrément pour, mais il n'y a pas d'intérêt. À moins de lui prendre d'autres trucs derrière, mais bon. Bon, on va laisser tomber, on va pas faire de dodo ici. Ah quand même, je suis à 38 de santé mentale. Ouais si, on va quand même faire un dodo ici. Non, pas du troc. Allez, voilà. Il a commencé à me parler du peuple qui vit sur cette île, il m'a dit connaître leur histoire. Mais quelle fut ma surprise quand il a fait des remarques déplacées sur le corps des autochtones. Il m'a souri avec connivence. Le missionnaire a éclaté de rire, m'a tapoté le dos, il a ensuite essayé de me divertir avec d'autres plaisanteries et farces. Il a l'air d'être un grand comique, effectivement. Ok, et ben du coup on va s'en aller.
Alors je sais bien qu'il y a un point d'interrogation là-bas, mais ça coûte cher d'y aller. Et vu que j'ai trouvé déjà un truc là, je vais pas en retrouver d'autres. Je pense qu'on va aller. Quand même, je tente le ferry ou pas, franchement. On va aller là-bas directement. Allez, c'est parti. Voilà. Vous êtes mes meilleurs amis au monde. Eh ben. Ravi, monsieur Lietti. Ah, il y a un marchand là. Ça peut être cool par contre. Ok, prête pour la promotion. On peut promouvoir lui aussi. Qu'est-ce que ça fait? Plus de charge. Le coût d'escalade est encore réduit. Ah, intéressant. On va le promouvoir. On va s'approcher d'abord du marchand, voir ce qu'il a à nous proposer. Ok, des coquillages qui servent de monnaie, de la conserve, ça c'est bien. Des bicolorés, ouais, c'est pas dingue non plus, mais bon. Les conserves, ça peut dépanner. Mais bon, il vend combien? 5. Ouais, donc commencer à donner ça en échange d'un truc comme ça, bon, bof quoi. Il fait pas grand chose d'autre, donc non, on va laisser tomber. Par contre, on va piller le sanctuaire sans problème. On fait les secrets comme d'habitude. Voilà, ça passe tout seul. On examine les inscriptions. Connaissance et on a bénédiction de charge. Ok. Ouais, ça a transformé le monde en désert. Ok. Ouh, il y a des jolies choses. Allez, on prend tout. Changement climatique à venir. Alors, j'espère qu'on pourrait continuer au nord après. Ok. Une statue en pierre. Les objets avaient été placés. Allez, on prend tout. Elle n'est pas là pour être sympa avec les humains, elle. On s'insérait, hein, il contient un indice sur un lieu sûr à proximité. Ah ouais, ok. Ah bah il est loin le lieu sûr. D'ici là. On va boire un peu de citronnade. Votre taux de glycémie est en hausse. Ok. Donc encore le ferry. Ok, donc là on va avoir encore plus de zones désertiques. C'est que c'est loin tout ça? Hop, lui là, tiens. Tesson d'obsidienne. Ok, bah fais dodo maintenant. Le problème c'est qu'on a tout consommé. Ok, parfait, on a trouvé un autre cercle antique. Salut Soren, comment vas-tu aujourd'hui? Ouais, le jeu me promène, comme tu dis. Bon. T'as retrouvé un PC depuis que t'as eu ton problème de carte graphique il y a quelques mois? Ça fait longtemps, mais je viens de me repenser à ça. Ça coûte cher de venir là juste pour ça, mais bon. Enfin, je suis pas venu que pour ça, mais. J'ai aperçu un grand animal qui se désaltérait. Des jambes de cette bête me sont revenues à l'esprit, l'élan rouge censé être un signe de bonne fortune. Je me suis approché, vous. Ah, approché, il a relevé la tête et m'a observé. On pourrait tenter de l'apprivoiser. Ah, t'as une vieille Radéon, merde.
Au bout d'un moment, j'ai osé caresser sa fourrure qui était douce sous mes doigts. Depuis lors, il est resté à mes côtés. Oui, c'est vrai que elle peut dresser les bêtes sauvages direct, quoi, sans faire de test ni rien. Ouais, c'est pas de bol pour ça, ouais. Bah après, les prix ont énormément baissé des cartes graphiques. Tu devrais pouvoir en trouver beaucoup bien moins cher d'occasion. Hein. Les oiseaux s'appelaient les uns et les autres, on aurait dit qu'ils chantaient en duo. Pardon, je n'ai pas lu du coup. Petit texte d'ambiance. Y en a trop de monde dans l'expédition, et je sais bien ça. Oui, bah oui, je me doute que les finances sont serrées, ouais, c'est. On est un peu tous dans la même. Enfin, pas pareil, mais on est tous un peu dans la même situation. Avec les temps qui courent. Donc, je te comprends. Nickel, on a gagné le défi. Donc, on perdra pas de loyauté. Et on refait un dodo parce que faut en profiter. Bah ouais, donc désolé, mais toi, enfin c'est pas sur ce menu-là, on va faire retour. Ouais, je vais être obligé de te congédier. Ouais, bah il est triste lui, bah oui, mais bon, hein, voilà. J'aurais pas dû l'apprivoiser, je sais. Bon, je pense qu'il va falloir que j'aille là et que de là je traverse en face, à mon avis. Je pense que la suite est en face. Ah bah non, c'est même pas ça du tout. Ok, loyauté augmentée, parfait. On est recouvert de goudron. Ah oui, merde, j'ai pas fait gaffe à ça. Bon, dommage. S'approcher du cimetière d'éléphants. Peut fouiller et on trouve une défense. Ok, bah on la prend. Ah oui, c'est vrai, quand on prend une défense, oui, les éléphants ont un bon aura, une excellente mémoire, je serais bien de les éviter à l'avenir. Oups! Bon! Alors, j'avais oublié ce détail entre. Oh putain, et puis alors, eux qui me foncent dessus aussi. Tu croises un animal, tu peux pas l'interroger sur des indices sur la zone. Non, non, elle en est pas là. Tu vois, elle peut même pas empêcher les éléphants de l'attaquer si tu piques une défense dans le cimetière, quoi. Bon, ben va falloir se fighter là. Comme j'ai pas pris le casque en plus et que j'ai un malus, bah du coup j'ai 100% de chance de d'aggro. Alors je peux quand même m'approcher, peut-être qu'elle peut les calmer, non? Si je deviendrais une amie ou un bout de viande? On peut. Ok. Bon, bah, j'imagine que. Ah, c'est ça, tête sans protection aussi, vulnérabilité 100. Ah, ouais, mais il faut pas se battre en fait. Hein. Ouf, ça va faire mal. Bon, on a ça qui est cool par contre. T'as vu hein, mon super cheval, sabot flamme là? Avec son. Son découpeur, sa scie découpeuse là. Du coup, ça me file un dé vachement sympa. Ouais, je vais relancer celui-là, il me sert à rien. Ouais, enfin, il me sert à rien, mais ça me sert encore moins ça. Bon, je pourrais lui faire une double faiblesse à lui, ça compensera. Non, je vais mettre qu'une seule faiblesse. C'est le cheval du cavalier sans tête, putain, c'est clair. Ça pourrait, mais non, non, en fait, c'est vraiment un équipement que tu lui mets une selle en fait. Et effectivement, dessus, il y a tout un mécanisme avec une scie découpeuse là. Tu vois, qui me permet quand même de. Ah ouais, putain, tu peux mettre jusqu'à 3D quoi pour faire une grosse vulnérabilité. Hein. Bon, ça augmente pas les dégâts par contre. Mais bon, on va lui faire ça déjà. La violence.
Voilà, ça va permettre de lui faire mal. Bon, par contre, lui aussi va faire mal derrière. J'ai peur. Attention les gifles, hein. Ouf. Ouah, les gifles. Bon, après, il va faire deux tours et il va crever, hein. Mais bon. Bon, tant pis. Je voulais tenter d'avoir un petit soin pour le placer gratos, mais... Allez, le double D de vulnérabilité, c'est fait. Encore plus de vulnérabilité, 94%. Donc là, quoi que je lui fasse, voilà. Désolé, hein, pour lui. Ça passe tranquille. Par contre, il y a eux là aussi. Donc ça va être encore plus chiant parce que là, ils sont 3 par contre. Et normalement, quand on a du goudron comme ça, il faut passer dans l'eau pour l'enlever. Mais là, j'ai pas de zone d'eau. Enfin, si, mais loin. Bon, ça finira par s'en aller, hein, de toute façon. Attaque surprise, mais non! Non, pas l'attaque surprise! Mon petit chien! Petit chien! Zut! Ouais, là, je me suis fait avoir un peu bêtement, là. Là, c'est ma faute, mais j'ai un peu fait de la merde. On va relancer ces deux dés là. Ok, parfait. Alors, ça c'est pas mal, ça cible deux ennemis. Ah, on peut leur faire mal quand même, hein. Ok, alors avant, on va améliorer la force du Yeti. Et ensuite, bam, bam, bam. Non, encore mieux. Voilà, vulnérabilité, et là, pam, 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 là, ça va faire mal. Nickel. J'aurais presque pu faire ça. Et je me demande si je vais pas faire ça. Voilà. Oh, ça, c'est pas mal. Ça va, je me suis bien sorti. Des oursins piquants qui empoisonnent et des baguettes de marée. Elle appelle la marée et remplace la cassie par une eau peu profonde. Ah, trop bien cet objet. La viande crue, j'ai pas confiance. Hein, je vais éviter la viande crue. Bah, j'avoue, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux genre en faire un truc comme ça là? Attends, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais? Ouais, alors, ok, non, pardon, je pensais que ça faisait une ligne de 6 cases. Non, je peux juste en placer une de temps en temps, quoi. Enfin, l'objet est cool, hein. Mais ouais, non, rayon 0, c'est la portée. Ok, je suis bête. Bon, cela dit, je me le serais mis sous les pieds, c'était mieux parce que je me serais enlevé le goudron. Bon, bah c'est pas grave. Tiens toi, Fouis. Qu'est-ce qu'il va me trouver? Des tessons d'obsidienne, ok, parfait. Bah ça on va tout jeter, hein. Ah non, j'aurais peut-être dû jeter plutôt ma flotte. J'ai oublié que j'étais surchargé de flotte. Est-ce que je peux utiliser la trousse sur le petit sien? Bah oui, évidemment. Voilà. Voilà, voilà. Par contre, ouais, non, faut que je me casse de leur présence à eux, là, parce que... Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai une réputation de merde. Ouah, comment je vais en chier pour aller jusqu'à là. Ah, sinon, après, j'ai une solution, hein. Je stagne là-bas. Je fais qu'attendre. Ça va être long, et à chaque fois, une case, une case, une case, et puis je les attends pour me battre. Mais bon,
Ouais, ça va être long, hein. Le couvent me couvrait, j'ai dû arrêter l'expédition pour prendre du repos. On a perdu une journée pour se laver. Surtout qu'on l'a toujours, hein, donc. Ouais, là, on l'a plus. Mais putain, ouais, ça va être long quand même. Ouais, c'est ça, la traversée de Moïse, mais version tortue, Soren, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, je suis pas sûr que ce soit bien rentable cette histoire. Ah, mais ouais, mais non, puis il y a le brouillard qui arrive. Je peux pas. Ah putain, ça pue. Cette expédition, elle pue, mais alors, elle pue, mon gars, mais. Non, non, il y a le brouillard qui arrive, plus on attend. Donc en fait, je vais pas avoir le temps de me faire un pont. Donc faut que je redescende par là, que j'aille là-bas. Ah non, mais pas une attaque surprise, putain, pourquoi je me suis déplacé? J'aurais mieux fait de les attendre. Oh bah là, je vais y passer, hein. Fuir 50%. Ouais. Non, on va y aller, mais bon. Ça va être complexe quand même, hein. Ah, c'est lui qui est étourdi là, ouais, non, mais lui. Lui il va être chiant, comme pas possible. Tiens, comme ça il va étourdir un de ses potes normalement. Parfait. Bim! Ils ont tous pris cher là. On va le faire sur lui du coup. Ah merde, le saignement on va pas le tuer. Voilà, comme ça là le saignement devrait pouvoir le tuer. Oh putain, il fait mal. Salut à toi Khazar, et oui, ok, je trinque au cygne, mais j'ai plus d'eau. J'ai une petite goutte, j'ai une petite goutte. Et bienvenue à toi sur ce live de l'angoisse. Enfin, l'angoisse pour moi. Ouais, c'est aléatoire. Donc on va plutôt faire ça. Voilà. Ça. On va mettre une vulnérabilité sur lui. J'espère que je vais avoir assez. 10. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai une deuxième baguette. Je vais peut-être pouvoir y arriver finalement. Ça va être chaud quand même, hein. Ça se tente. Faut attendre. On met fin à l'attente. Infection. Aïe, merde. J'ai pas de quoi soigner. Bordel. Plaie infectée. Traînons lentement jusqu'à ce que le personnage meure. Oups! Ah bah non, mais je vais la perdre, si un sien, hein. Mon petit sien, je crois que. L'angoisse. Là, je. Voilà. Comme quoi, faut être un peu gentil avec les autochtones, quand même, de temps en temps. Bon, au moins je dois pouvoir déclencher le combat moi. Mieux que rien.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être chaud quand même, hein. Enfin, ça commence à devenir compliqué, hein. Je réfléchis un peu. Hein. Donc toi prends ça. Toi attaque qui tu veux. Voilà, comme ça tu me l'étourdis. Parfait. On va augmenter la force du Yeti. On va mettre un coup de couteau. À lui. Voilà. Ensuite, on balance un gros rocher sur tout le monde. Ça a fait un peu mal quand même. On va balancer une dynamite. Et puis un oursin sur lui. Et puis un oursin sur lui. Ça me paraît pas mal. Ah là 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 là, ils font mal. Hein. Qu'est-ce qu'ils font mal, hein? Aïe 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 aïe. Alors, on va défoncer lui, comme ça on va l'étourdir. Il fait 20 de dégâts quand même. Hein. Alors, il fait 20 de dégâts, mais on va peut-être pas s'exciter. Si je fais. Pardon, si je prends le soin et que je fais ça, on a un bouclier 14 plus un soin à 13. Soin qu'on va mettre à. Est-ce que je peux mettre sur aiguille? Est-ce que je peux choisir? Je sais plus. Ouais, non, c'est pas sur quelqu'un de mort, quoi. Bon, bah, sur toi. Voilà. Ouais, il nous met 2-3 taquets, mais ça va. Une gifle. Ça, c'est tendu, hein. Ah, oh, deux autres baguettes de marée. Ah, c'est trop énorme. J'adore. Ah putain, encore une infection. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. On va perdre tout le monde sinon. Et ça va être moins drôle. Mordu à une infection. Ah putain. Ah non, elle a perdu même chi. Aïe 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 aïe. Ah le drame. Ah le drame. Bon bah c'est la merde. Là franchement c'est la merde totale. C'est l'expédition de l'angoisse. Ouais, et puis attends, c'est pas fini, hein. Il me manque encore deux cases à faire. Là, ouais. Ouais, là c'est fou fou fou. T'arrives au bon moment, Khazar, hein, pour venir voir ce qui se passe. Faut attendre, parce que surtout que je suis même pas arrivé derrière. Quel enfer! Ouais, bah ça, je m'en doutais que c'était ça. Oh non, il y en a encore par ici. Allez, on va perdre le sien-sien. Oh là 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 là, l'angoisse. Donc, on a quasiment plus de bouffe. C'est tendu.
J'ai trois emplacements d'objets en surcharge. Ouais, bon bah maintenant on va acheter ça. On va acheter ça. Les oursins, on va les garder. Les perles, on va les jeter. Voilà, bon, je les aurais bien fui par contre. Hein. Ah bah ouais, non mais... Putain, 40%. Non! Au secours. Putain, j'ai plus personne. Ah putain, l'angoisse. Ah non, mais putain, c'est pas vrai quoi. Bon bah voilà, hein. Non, c'est pas la fin encore. De toute façon, si c'est la fin, j'en profite pour vous dire que je couperai le live à 19h, peut-être avant du coup, et que je reprendrai un live à 19h30 et je vais pouvoir présenter une démo d'un jeu que j'attends depuis très très longtemps en exclusivité. Enfin, exclusivité, c'est vite dit, mais je pense que je vais être un des premiers Français à la proposer. C'est un petit jeu de gestion d'équipe qui se joue. Enfin, je saurais pas vous dire exactement le titre, enfin, pas le titre, mais le type de jeu que c'est. Comment ils appellent ça déjà? Attendez, je vais vous dire. Et le jeu s'appelle Inclunati. Inculinati, pardon. C'est de la stratégie, oui, voilà. C'est un jeu de stratégie, tout simplement. Il a l'air super beau, je l'attends depuis un moment. Je vais enfin pouvoir y jouer. Donc, je suis trop content. Voilà, n'hésitez pas, au pire des cas, à 19h30, repassez voir. Voilà, c'est les toutes premières sorties de gameplay de ce jeu-là. On va le découvrir ensemble. Donc, voilà. Ça, c'est dit. Tu veux pas le bouffer, lui, là? Voilà, merci. C'est toujours ça de pris. Ça prend pas de place, ouais, je sais. Et entre les deux, là. Bon, on va jeter la massue. Allez. C'est la merde. Cela dit, ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à... Oh putain. Bon, voilà. Merci Khazar pour avoir porté la poisse. J'écris mes derniers mots, je ne verrai jamais plus les rivages de mon pays. Cette exhibition était une terrible erreur. Je redoute le châtiment qui m'attend dans l'au-delà. Sincèrement, Clé Gerlin. Eh ben, c'est un magnifique game over! Chers amis, ouais, j'ai été trop confiant sur ce coup-là. Bon, bah c'est pas grave, je recommencerai une partie prochainement. Je suis Name No Man. Oui, d'accord. Entrée. Oula, oui, d'accord. Bon, bah voilà. Ouais, pas mal, non, pas terrible en vrai, mais pas terrible du tout, même. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça sert de leçon. C'est dommage, j'aimais bien le début de cette partie-là, mais. Mais bon, j'en referai d'autres, c'est pas un souci. Bon, ce que je propose, c'est que effectivement la démo du jeu est dispo. Alors qu'on m'avait dit un peu plus tard, mais visiblement elle est déjà dispo. Je vais vite fait la télécharger. Si je quitte mon jeu, je vais la lancer vite fait avec vous comme ça. Et puis au pire, je referai. Ouais, attends. Je vais juste vérifier. Démo. Télécharger. 4 Go quand même, hein, ok. Je m'attendais plus petit pour un petit jeu comme ça, mais tant mieux, tant mieux. Bon, c'est pas la taille qui compte, on le sait bien, mais. Alors.
Et la magie de la fibre, c'est que. Ah oui, non, c'est qu'un, c'est un géo, pas 4 géo. Ah, non, ce sera peut-être le jeu final, hein, 4 géo. Alors. Pas trop en montrer, mais quand même. Si je peux montrer vite fait. Si, avec, si je peux vous montrer. Oh, trop bien! En plus, la démo est en français, mais c'est trop bien! Je suis trop content. Alors, on va regarder un petit peu vite fait. Sans manque plein, nécro, synchro, vertical, langue en français. Ils sont trop bien, j'adore. Académie. Leçon de base, leçon intermédiaire. Ok, on découvrira ça ensemble. Nouvelle épopée. Maîtrise de l'encre vivante. Ok, ça va être cool. Eh ben, je vous propose qu'on découvre ça tout à l'heure ensemble. Je vous donne rendez-vous vers 19h30, le temps que je fasse les annonces et que les gens revoient tout ça. Et puis ben, n'hésitez pas à repasser me faire un coucou, ce sera avec grand plaisir qu'on va découvrir ce jeu ensemble. Ça vous dit les gars. À tout à l'heure, venez à 19h30. Bye bye et désolé, merci d'être passé quand même pour cet échec. Bye bye les gens.